Waouh, je suis très content de vous revoir aujourd'hui, mes frères et sœurs. Bonjour et bienvenue sur ce bar. Là. Regardez ce gars qui est là-bas, il est hors du commun et il est sérieux dans tout ce qu'il va nous dire ici. C'est son témoignage puissant et hors du commun. Déjà, tout petit, il pouvait avoir des songes ou bien bon, des rêves. Il dit qu'il appelait ça des rêves. Ah, et dans ses rêves, il se voyait comme le commandant des serpents. Ouh, qu'est-ce que c'est? Et plus tard, il va entrer dans les profondeurs du monde des ténèbres. Il va nous dire des choses qui vont nous intéresser. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous péchez, pour le diable, vous lui appartenez déjà. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il même va dire encore. Mes frères et sœurs, c'est tout moi, j'ai hors du commun. Et ce que nous allons entendre ici, waouh, ça va nous propulser dans une autre dimension. Il va parler de beaucoup de choses. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Il va dire des choses hors du commun. Si ça vous a même dépassé, cliquez sur j'aime et soyez prêts parce que ça va être chaud. Mais avant d'entrer dans ce puissant, je pense qu'il est bien compris ensemble qu'on demande à Dieu de nous aider dans cette dimension parce que sans lui, on ne peut rien, vous le savez, c'est extraordinaire. Alors, les yeux fermés, mes frères et sœurs, disons tous ensemble Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, conduis-nous, assiste-nous. Tout au long de ce témoignage puissant, il n'y a que toi seul qui peux le faire. Il n'y a que toi seul qui peux nous aider. Toi seul encore peux nous guider. Guide-nous aujourd'hui. Donne-nous ton esprit de discernement pour la bonne compréhension de ce témoignage. Visite chaque abonné. Descends chez eux. Et tout ce qui ne va pas dans leur vie soit restauré, soit réparé, soit arrangé, tout ce que tu veux, mais que cela soit en bon état désormais. Donne la joie à tes enfants, donne la paix à tes enfants. Merci Seigneur de nous combler de bonheur, même si sur la terre c'est pas facile. Merci Seigneur de nous orienter toujours. Merci Seigneur de nous guider toujours. Que ta main puissante, mon Dieu, que ta main puissante, Jésus, nous assiste aujourd'hui en force et en puissance. Vu les choses immenses que nous allons découvrir dans ce moment puissant, nous avons vraiment besoin que tu sois là pour nous accompagner. Pardonne-nous nos péchés, nous n'est pas fait. Que ton sang précieux nous purifie, nous lave-nous avec ton eau. Que notre cœur soit transformé. Donne-nous ton bon esprit, ton esprit nouveau. Et change notre vie aujourd'hui. Que notre cœur ne soit pas endurci à l'écoute de la vérité. La vérité est dure à accepter, mais que toi, Seigneur, tu nous donnes la force de les accepter aujourd'hui. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as déjà exaucé. Amen. Pour commencer, mes frères et sœurs, nous allons vous prévenir que si on se rebond ici, nous ne sommes pas là pour vous dire des choses qui vont vous plaire. Dans ce témoin puissant, vous pouvez même entendre des propos durs ou des choses bizarres. Mes frères et sœurs, soyez forts. Ça va aller. Dieu va nous aider. Utilisez avec nous. Dieu est avec nous et il nous garde déjà, il nous protège. Et le témoin puissant va officiellement commencer. Restez concentrés, mes frères et sœurs. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo à quelqu'un pour que cette personne puisse découvrir ce que vous allez découvrir tout de suite. Ha! Imaginez si nous, bien souvent, gardions ce témoin puissant pour lui seul. Que se passerait-il? Aujourd'hui, Dieu veut nous bénir et c'est une bénédiction que nous partageons avec vous. C'est parti! Mon initiation inconsciente a commencé dans des rêves, quand je n'avais que 3 ans. C'était en 1967, plus précisément au début de cette année. J'ai commencé à avoir des rêves étranges. Dans chacun de ces rêves, c'est comme si j'étais un grand python sous le fleuve, qui commandait différentes formes de reptiles, d'oiseaux, et des créatures aquatiques ainsi que les serpents appelés Ekunjaba. Quand je me retrouvais dans cette forme de python dans le monde des eaux, j'ai rencontré souvent des entités et des esprits étranges et mystérieux qui m'appelaient maître. Je suis né dans cette vie pour fonctionner comme un agent principal de puissance invisible. Je ne devais jamais divulguer mes rêves ou mon contact avec ces esprits maritimes aux hommes naturels de notre monde. Moi, aujourd'hui, tu es tenté de donner toutes ces informations. C'est pourquoi? C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ est intervenu dans sa vie. Vous n'avez pas entendu ça, mais frère et soeur, déjà, mais à ce niveau, mais ça fait peur. Il dit que déjà à 3 ans, lui, il se voyait dans des rêves en train de manipuler. C'est pas lui, c'était les chefs. Qu'est-ce qu'il ne voit pas? Qu'est-ce qu'il y a? Si tu as de tels rêves, tu as des songes, tu t'endors et tu vois des choses dans ton sommeil, il ne faut pas penser que c'est un jeu. Lui, pour lui, ça a commencé dans son sommeil. Il voyait ça comme un simple rêve, mais
ça est devenu réel, c'est devenu réel. En fait, c'est ce qui va t'arriver ou encore ce qui t'arrive en esprit là. C'est ce que tu vois dans ton sommeil. Aïe, 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 aïe. Ma soeur, mon frère, si tu vois tout pareil, commence à prier au nom de Jésus. Satan, faut me quitter, faut me laisser tranquille. Je veux pas les ennuis avec mon Dieu, s'il te plaît, va-t'en. Dieu va t'aider, ma soeur. Dieu va t'aider, mon frère. Et si ton enfant a de telles situations, même s'il a été initié à la sorcellerie, faut prier vraiment Dieu afin que Dieu puisse le délivrer. Ce ne sera pas facile. Mais nous allons en parler dans la prochaine vidéo. Maintenant qu'il a pris conscience qu'il y a la sorcellerie qui était se positionner dans son esprit, même au travers des rêves, que va-t-il se passer? Écoutons-le bien. Écoutons-le bien. Moi, mais je veux savoir. Au cours de la guerre civile nigérienne qui a eu lieu de 1967 à 1970, j'étais avec mes parents dans un certain village situé autour du fleuve Niger dans l'état du Rivé. Et la guerre civile n'avait pas affecté cette région. En effet, alors que beaucoup de gens souffraient de la faim pendant la guerre civile, cette région avait assez de nourriture. Wow. Mais ce village est un lieu hautement reconnu pour les opérations de sorcellerie. C'est un endroit où on est soit une sorcière, un sorcier, un agent du diable, une sirène ou un membre du culte mystique. Ça veut dire que là-bas, celui qui est sorcier, c'est une star. Là-bas, tout le monde est sorcier. Et ils se disent que si tu n'es pas un sorcier, si tu n'es pas un sorcier, c'est que tu n'es pas un duga. C'est comme ça. La plupart des gens sont serviteurs du démon ou divinité locale et prédominante appelée Lioji. En fait, wow, il n'y avait pas d'église dans ces régions, même pas l'église catholique. Et toute personne ordinaire qui vient dans ce village ne reste pas longtemps avant d'être mutilée ou tuée. Ceux dans ce village que je suis entré en contact avec le monde invisible. Dans ma ville natale, il existe un culte connu sous le nom de Concord qui est le culte des esprits ancestrales. Mon père a parrainé mon initiation directe dans ce culte quand je n'avais que 8 ans. Ma première expérience du voyage astral, dans le langage mystique. La projection astrale et le voyage de l'âme sont relativement semblables, car les deux sont centrés sur les expériences hors du corps. Cependant, alors que la projection astrale a trait à un voyage spirituel dans les royaumes des eaux, de la terre, du feu et le royaume astral, le voyage de l'âme est un voyage spirituel dans les royaumes occultes supérieurs au-delà du royaume astral. Pendant la projection astrale ou le déplacement de l'âme, le corps subtil de l'âme, qui est une réplique psychique du corps physique, est séparé du corps matériel brut par l'application des techniques occultes surnaturelles avancées. Ceci est la projection métaphysique interplanétaire. Après la séparation avec le corps physique, je pouvais alors me déplacer dans d'autres domaines et mondes invisibles, en conservant mes sens, ma conscience, mes sentiments, ma vue, mon audition et mes émotions. Mais dans un tel état de séparation, le corps subtil de l'âme restera connecté au corps physique brut à travers une essence psychique intérieure appelée cordon d'argan. À la mort, ce lien de connexion est finalement coupé par lequel le corps de l'âme ne retourne pas au corps physique. Wow. Ma première expérience de la projection astrale consciente dans le monde des démons a eu lieu en 1971 au mois de novembre. C'était ma première fois de voyager consciemment à l'extérieur de mon corps. Là, vous voyez que ce gars-là, il utilise de gros mots, hein, de gros termes pour expliquer son témoignage. C'est parce qu'il est cultivé. Il a appris beaucoup de choses. Vraiment, il va nous enseigner des choses. Écoutons-le bien. En effet, c'est de cette façon que j'ai été directement initié dans le premier saut cosmique de l'opération du crépuscule. Il arriva qu'une nuit, en novembre 1971, j'avais une expérience. J'ai eu quelque chose comme un choc électrique sur tout mon corps alors que j'étais encore réveillé sur le lit. Immédiatement après ce choc, je me suis retrouvé debout devant mon corps. Par la suite, j'ai commencé à courir dans un grand tunnel rempli d'ossements. Il s'agissait d'une projection astrale dans sa première étape. Comme je courais à l'intérieur du tunnel sombre, j'ai entendu les voix de plusieurs êtres spirituels qui étaient les démons élémentaires, qui me disaient « Bienvenue, bienvenue ». Je n'ai vu aucun d'entre eux à cause de l'obscurité, mais j'ai continué à courir jusqu'à ce que j'arrive à l'autre bout du tunnel. Quand je suis finalement sorti de l'étrange tunnel, il y avait une lumière vive. Dès que je suis entré dans la lumière, j'ai vu une entité se tenir devant moi, et avec lui il y avait 120 sorcières puissantes. La tête de cette entité brillait comme une grande lumière. Les Écritures avaient déclaré, et pas de merveille, car Satan lui-même est transformé en un ange de lumière. Cette entité dont la tête était légère se présenta à moi comme Gopinatha. Il m'a ensuite informé qu'il était un maître ascensionné du royaume de Dieu, qui a apparu seulement pour me bénir et m'ordonner aussi bien que pour devenir mon guide spirituel.
Ce de mon supérieur Gopinatha m'a dit qu'il avait apparu à des mystiques en Amérique et en Europe en tant que Saint Germain. Après s'être présenté, Gopinatha a souligné qu'un temps voulu, je serai mis au courant de ma mission et opération. À partir de ce moment, Gopinatha est devenu mon guide spirituel dans le mystère occulte. Après cette introduction, le démon me donna un cœur humain que je devais consommer. Après cela, il m'avertit de garder nos activités strictement personnelles et confidentielles, jusqu'à ce que je devienne maître et je reçois l'autorisation de révéler certaines vérités dans le cadre de la promotion de cet ordre mystique. Ensuite, j'ai donc prêté serment de garder les secrets. La conséquence de la rupture de ce serment était la mort immédiate dans les 72 heures. Puis Gopinatha frappa ma tête avec sa main gauche. Comme résultat, je me transforma en un python. Puis nous sommes tous allés dans une dimension où je repris la forme humaine. C'est là que j'ai pris l'engagement de servir le diable. C'est plus tard que j'ai compris que ma première initiation cosmique a eu lieu dans le désert de Gobi en Afghanistan. Et les sorciers qui étaient présents étaient des sorcières d'Abramelin. Ma première initiation cosmique, le même jour dans le désert de Gobi. Des milliers d'esprits cosmiques et des agents du diable furent témoins de mon initiation au premier saut cosmique, qui a été mené par Gopinatha en présence du maître des sorcières d'Abramelin. Au cours de la cérémonie d'initiation, Gopinatha m'a demandé de mâcher le cœur humain. Je l'ai mâché et j'ai immédiatement reçu le pouvoir d'entendre la langue des esprits des royaumes occultes. Vous avez entendu ça? Ce démon lui a demandé de mâcher, de manger le cœur d'un homme. Mon Dieu, moi j'ai vu dans un concert ici. Dans ce concert-là, il y a une star. Je suis sûr que vous avez sans doute vu. Une star qui a pris un truc qui ressemblait fortement à un cœur humain. Et il y avait du genre comme du vin rouge à l'intérieur. Et elle buvait ce vin rouge-là en public. Mais comme vous regardez, vous avez l'impression que c'est du sang. Si vous avez assisté à ça et que vous avez participé à ce concert-là, vous avez tous reçu la malédiction. Vous avez tous reçu la malédiction, tout ce qui était dans ce concert. Vous devez pardonner Dieu, demander, vous devez vous purifier de dire, dites Seigneur mon Dieu, pardonne-moi parce que j'ai été à ce concert et que j'ai participé à quelque chose que je ne savais pas. Parce que ce à quoi vous avez participé là, c'est un rituel. Et les démons sont entrés comme ça. Ces démons sont entrés. C'est-à-dire que maintenant, là, quand les gens vont au concert, là, ce n'est plus pour s'amuser. On va dire, venez, on va s'amuser, on va faire le show. Mais à un moment donné, là, les gens vont commencer à faire des rituels en plein concert. Tous ceux qui vont mourir là, ils n'auront pas au paradis. Et si, lors de ces concerts-là, il y a explosion quelque part, ou bien on dit quelque part et que les gens meurent, ça arrive, hein, tout ce que je vous dis là, ce sont des choses qui sont déjà même arrivées. Dès qu'il y a moins d'hommes dans ce genre de situation, tous ceux qui meurent n'auront pas au paradis. Parce que c'est le diable lui-même qui a adoré de tels endroits ou encore de telles rencontres. Faites vraiment très attention. Faites très attention. Et ici, il a mangé le cœur humain. Que va-t-il se passer? Nous savons tous que quand ces gens-là vont jusqu'à cette extrémité, ce qui se passe concrètement dans leur vie, c'est qu'ils ne sont plus la même personne. Même leur cœur change. L'amour n'est plus en eux et leur conscience disparaît. Et à la place, c'est un démon. C'est comme si c'était maintenant voilé, comme ce gars qui est là. Regardez-le bien. Regardez son visage. Vous avez l'impression qu'il ne voit pas et que ses yeux sont fermés. Et c'est réel. Tout ce que nous sommes de vous dire là, c'est réel. Là, nous entendons de la profondeur des choses bizarres ici, Seigneur Soban. Abonnez-vous. Alors que l'initiation était en cours, il y avait un feu au centre de notre rassemblement et on me demanda de danser autour du feu, ce que j'ai fait. Ensuite, j'ai traversé le feu brûlant sept fois. La moitié de mon corps de mon côté gauche fut lavée avec le sang humain. Le même sang fut utilisé pour oindre mes yeux et mettre un seau sur mon front. À partir de ce moment, j'ai commencé à utiliser mes yeux pour projeter des rayons et attaques psychiques contre des personnes. Après avoir lavé la partie gauche de mon corps, un démon appelé Goras s'est levé au milieu des esprits. Ce démon est un transporteur du sceau des Vic 333 de l'opération du crepuscule. Dès qu'il se leva, il reçut un sceau secret, et par l'ordre de Gopinatha il entra et occupa le côté gauche de mon corps. À partir de ce moment, ce démon appelé Gora est devenu ma deuxième personnalité, pour m'assister dans les missions et opérations astrométaphysiques des puissances des ténèbres. Ce démon fut instruit par Gopinatha de demeurer en moi jusqu'à ma deuxième initiation. À partir de ce moment-là, je fus surnommé Gora dans le monde des esprits.
Cependant, dans toutes mes initiations dans les cinq sauts cosmiques, le côté gauche de mon corps fut habité par tour de rôle par différents esprits. Ainsi, wow. De 1971 à 1992, lorsque j'ai été entièrement délivré par la puissance de Jésus-Christ, je n'ai jamais vécu totalement comme un être humain. Je vivais comme un humain avec mon côté droit et un comme un démon avec mon côté gauche. Néanmoins, après mon initiation, j'ai encore une fois été transformé en python. Et finalement, Gopinatha me transporta vers l'endroit où mon corps physique était allongé sur un lit. Quand il m'a laissé tomber sur le sol, je me suis levé comme un être humain. Et j'ai découvert avec étonnement que j'avais trois parties. Dans mes aspects tripartites, j'ai observé que mon corps physique était sur le lit, que mon corps astral était debout, et ma seconde personnalité qui est le démon Gora était à côté de moi avec ma forme particulière dans tous les aspects. Cette étrange expérience occulte prit fin lorsque mes trois personnalités se sont fusionnées en une seule qui est moi-même, puis wow, je suis revenu wow à la conscience physique. Mais à partir wow du moment où je fus habité par le démon Gora, j'ai commencé à effectuer des projections astrales constantes dans de différents mondes et dimensions du royaume de l'obscurité. Quand j'étais dans la forme astrale, je pouvais me transformer en de diverses formes, je pouvais traverser les murs et les matières solides, je pouvais me projeter dans un arbre, dans une personne ou dans un animal ou au-delà des portes verrouillées. Au cours des 21 années de mes opérations occultes conscientes, je vivais totalement dans la méchanceté et dans l'essence négative des manipulations démoniaques. J'étais un expert dans l'art de manipuler les gens de différentes façons pour obtenir ce que je voulais. Parlons un peu du poison astral. D'abord, il faut reconnaître que c'est dans ton intérêt de vivre dans la sanctification. Wow. Si seulement tu savais le degré de la manipulation infligée sur votre vie grâce au péché, vous alliez faire des efforts nécessaires pour en sortir. Quand une poison astral est lancée par un sorcier, cette poison agira de sorte à vous mettre dans le point zéro, où vous allez être influencé par les tendances et inclinaisons de la faculté anormale de l'âme telles que la colère, l'envie, la vanité, la cupidité et l'attachement aux choses mondaines. Ces inclinaisons et tendances rendent l'homme esclave du royaume de ténèbres, et les hommes sur la terre sont soumis aux manipulations sataniques grâce à ces tendances animales et terrestres qui sont le péché, et peuvent donc être détruites par l'ennemi. Cette poison peut agir en vous pendant plusieurs jours avant de se retirer. Quand une personne n'est pas en Christ, il peut vivre 100 années sur la terre, il va passer tous ces années sous la manipulation et domination de l'ennemi. Alors si tu n'es pas en Christ, sache que toute ta vie sur la terre, y compris tes études, ton mariage, ton travail peut être soumis à la manipulation de l'ennemi. Mon deuxième initiation cosmique. Ma deuxième initiation cosmique dans le sceau de Kal 666 de l'opération Crépuscule a eu lieu dans le temple de Katamisha, du royaume occulte des eaux en novembre 1975. Le démon wow supérieur appelé Katamisha est le mari de la reine du fleuve Delta. Pendant mon initiation, il y avait 8 êtres humains et des centaines de démons pour l'occasion. Nous avons tous voyagé spirituellement vers le lieu de l'initiation. Nous étions tous assis dans la méditation devant la statue de Kaliya, le souverain de l'ensemble du royaume de l'eau, en chantant les hymnes sacrés, en attendant la manifestation de mon maître démoniaque Gopinatha. Quelque temps plus tard, le démon Gopinatha est apparu. Et avec lui était le démon Katamisha et deux autres démons. Ils s'assirent dans leurs trônes respectifs. Alors nous avons continué à danser devant la grande statue de Kaliya. Quand nous avons terminé la danse, Gopinatha nous a parlé brièvement. Il m'a dit spécifiquement que j'étais béni et choisi pour devenir un étudiant des mystères de l'occultisme. Puis le démon Katamisha a pris la parole. Il a cité un verset de la Sainte Bible qui dit « Et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'esprit, l'eau et le sang ». Et ces trois sont en accord. Il a ensuite interprété à tort la parole de Dieu, pour dire que quand un homme est nourri du sang humain dans le royaume des eaux, son esprit acceptera que le sang humain relance le pouvoir secret en lui. J'ai donc bu du sang humain, et après avoir bu du sang humain pour le pouvoir, un démon amena un homme qui était enchaîné et nu. Il plaça cet homme devant la statue de Kaliya, le souverain du monde sous-marin. Un autre démon apporta de l'eau et lava cet homme, puis il lui couvrit avec un tissu blanc. Dès que cet homme fut lavé et recouvert de ce tissu, il fut transformé en un bétail. Au fait, il est devenu une vache. Ensuite, j'ai récité une prière incantatoire qui suit. Je rends grâce et louange au Seigneur Kaliya, le souverain du royaume maritime, qui m'a donné la chair et le sang de cette vache pour le renouveau du pouvoir. Ne répétez pas la même, ne faites pas la même chose, mes frères et sœurs. Ne faites pas même pas par curiosité, ne répétez pas les mêmes paroles. Je jure obéissance à Gopinatha et Katamisha pour ces bénédictions spéciales. Comme je mange cette chair et comme je bois ce sang, je le fais pour démontrer mon engagement, et je promets d'accomplir toutes mes tâches et obligations. Ainsi soit-il. Après cette incantation,
La tête de l'homme qui était devenue une vache fut décapitée. Enfin, nous avons tous mangé sa chair et bu son sang. Je mangeais seul le cœur de cet homme. Cet exercice marqua ma deuxième initiation cosmique dans l'opération du crépuscule. Dans cette initiation, Gora, le démon qui habitait dans mon corps et qui était ma seconde personnalité à la première initiation, me quitta, pour le laisser la place à un démon supérieur appelé Arapian, qui est devenu ma seconde personnalité pour les opérations ésotériques et occultes, ce alors que j'ai reçu le sceau de Cal 666. À partir de là, je fus nommé Arapian dans les mondes spirituels, mais au fur et à mesure que mon initiation tendait vers la fin, quelque chose de mystérieux se passa. Une fumée de feu très puissante, mystérieuse, étrange et épaisse, pénétra au milieu de nous, et aussitôt il y avait confusion parmi nous. C'était vers 2 heures du matin. Cette fumée étrange avait la puissance d'enchaîner tout démon ou agent humain des puissances de l'obscurité. Ainsi, chacun de nous, y compris Gopinatha et Katamisha, se sont efforcés de s'échapper de cette fumée. Pendant que nous étions en train de fuir, Gopinatha a ordonné que nous devrions tracer et localiser la source de cette fumée omniprésente. Nous avons suivi une autre voie pour retrouver l'origine de cette fumée épaisse. Plus tard, nous avons découvert entre autres que la fumée venait d'une certaine maison à Nairobi, au Kenya, où 5 disciples de Jésus-Christ étaient engagés dans l'art de prier et d'appeler le nom et le sang de Jésus-Christ. Ces frères priaient sérieusement et invoquaient le feu céleste au nom de Jésus-Christ, pour anéantir les forces des ténèbres dans le pays, dans l'espace tout comme dans le monde sous-marin. Ils invoquaient le sang de Jésus pour déconcerter les opérations démoniaques, et ils ont spécifiquement mentionné que le Seigneur devrait bannir toute réunion des puissances des ténèbres dans l'eau. J'ai vu et constaté que chacun de ces 5 disciples de Jésus-Christ était comme des piliers de feu qui dégageaient une puissante fumée épaisse. Nous n'avons vu aucun d'entre eux comme un être humain ordinaire. Ils étaient de colonnes de feu. À cette fin, nous avons quitté l'endroit sans effort de chercher à s'arrocher d'eux. Cet incident m'a révélé pour la première fois la puissance de la prière des disciples de Jésus-Christ. Nous devons savoir que plus il y a de la prière dans le monde, plus le monde sera meilleur. La prière dans une phase de son fonctionnement est un désinfectant, et elle purifie l'air et elle détruit la contagion dans les airs. Le chrétien doit savoir que la prière et la vie sainte sont une. Ils s'organisent mutuellement et réagissent ensemble. On ne peut pas survivre sans un. L'absence de l'un est aussi l'absence de l'autre. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse 8 verset 4, « Et la fumée de l'encens, qui venait avec les prières des saints, montait devant Dieu hors de la main des anges. » Le verset de la Bible ci-dessus est une indication que la prière des croyants en Jésus-Christ fonctionne comme de la fumée. En effet, comme il n'y a pas de pouvoir dans l'univers qui puisse échapper à l'autorité immuable du Christ, il n'y a pas d'opération métaphysique, occulte ou sorcellerique dans n'importe quel domaine d'existence qui peuvent échapper à l'autorité spirituelle de ceux qui adorent le Père par Jésus-Christ. Il est écrit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » C'est ici le vrai pouvoir, la puissance la plus élevée, oui. Tous ceux qui reçoivent le Christ sont dotés du pouvoir de devenir les fils et les filles du Dieu très haut. L'autorité de vivre et de se déplacer comme un fils de Dieu est la plus haute autorité spirituelle qu'un individu peut avoir dans cet univers. Pendant plusieurs semaines après notre expérience avec cette fumée mystérieuse, mon guide spirituel Gopinatha ne m'a pas rendu visite comme d'habitude, alors que j'étais dépassé. Je me posais la question comment la prière de 5 personnes pouvait totalement nous surmonter et bannir nos opérations. Avant cet événement, je ne connaissais rien du pouvoir des chrétiens. Par conséquent, je suis devenu curieux de savoir tout sur les chrétiens et leur pouvoir. Cependant, j'attendais que Gopinatha apparaisse et efface tous mes doutes à cet égard. J'ai voyagé dans le royaume de Sat Gopinatha par une projection astrale, mais il n'était nulle part ailleurs. Alors que j'avais des pouvoirs occultes, ésotériques et sorcelleriques, j'étais curieux et prêt à découvrir le pouvoir de chrétien et à me soumettre à la source de cette plus grande puissance. En attendant l'apparition de Gopinatha, je continuais dans l'art de la sorcellerie et d'autres travaux et manipulations malfaisants avec d'autres agents humains et des démons. J'étais déjà un chef de file de milliers de démons et d'agents humains, et il y avait plusieurs façons dont nous avions l'habitude de travailler contre de nombreuses personnes dans différentes parties du monde. Par exemple, je manipulais les affaires, le mariage, les finances, l'éducation ou la santé de certaines personnes. En fait, je les mettais dans une boîte spirituelle. Lorsque la boîte est verrouillée, je commandais un sorcier ou un démon de s'asseoir sur la boîte. Lorsque ce fait, les affaires, le mariage, les finances, l'éducation ou la santé d'une telle personne sur la terre commencera à fluctuer ou à se détériorer. La foi, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier.
faut fermer tes yeux et puis lève ta main droite vers le ciel. Faut dire, Seigneur mon Dieu, là où le diable m'enferme ou quoi que ce soit qui m'appartient, que ta puissance même descende là-bas pour détruire tout ce qu'ils font et arracher à l'ennemi qui est assis dessus tout ce qui m'appartient pour me redonner aujourd'hui au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Hey! Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Les gens sont en marché tranquillement dans la vie ici en train de lutter pour travailler, pour chercher à savoir comment faire pour s'en sortir. Oh, c'est toi qui es la base de la souffrance. Tu es assis dessus, tu es enfermé. Aujourd'hui, tu vas nous libérer. Tu vas nous libérer aujourd'hui. Faites cette prière, mes frères et sœurs, avant de vous endormir. Faites la même prière. Faites la même prière trois fois. Dieu va intervenir en notre faveur aujourd'hui. Vous avez vu ça? Vous comprenez pourquoi maintenant il y a la souffrance dans le monde? C'est à cause des satanistes qui sont parmi nous et qui font ce genre de choses. Ça fait mal. Hein? Mais ce n'est pas tout. Écoutons-le encore. Jésus va s'élever pour nous. Nous avions l'habitude de projeter et d'empoisonner la nourriture des gens dans l'air. En plus de ça! En particulier ceux qui parlent en mangeant. Nous pouvions gâcher les affaires commerciales discutées entre 8 h du soir à 3 h du matin. Et nous utilisions les larmes de petits-enfants pour empoisonner ceux qui les ont battus ou ceux qui les ont fait pleurer. Surtout si ces personnes sont sous nos manipulations. La manipulation sexuelle, parlons un peu de la manipulation sexuelle, il y a trois tendances ou inclinaisons mondaines utilisées par les forces du ténèbre pour manipuler de façon régulière le développement et l'avancement des humains vers le standard animal dans toutes étapes et degrés de la civilisation. Ces trois tendances sont appelées inclinaisons animales ou nous allons brièvement discuter de ces trois tendances ou inclinaisons animales. Mais permettez-moi de commencer par le premier qui est le sexe. La force sexuelle est le pouvoir secret le plus élevé utilisé dans les manipulations démoniaques pour dominer et contrôler les pensées, les mots et les actes des gens de ce monde. Dans les opérations démoniaques avancées, l'acte sexuel est comme le carburant, alors que la l'envie ou la désir est comme le feu. Par conséquent, comme un approvisionnement constant en carburant ne peut jamais éteindre le feu. Donc aucune quantité et fréquence de relations sexuelles ne peut éteindre le feu de l'envie, du convoitise et du désir sexuel. Les puissances de l'obscurité manipulent toutes les activités de l'homme, pour les tourner autour de l'attraction sexuelle, de sorte qu'il soit centré sur le désir et l'acte sexuel. Dans le monde occulte, la vie des hommes est appelée la vie dans les chaînes sexuelles, ou les entraves de la vie sexuelle. Dans les royaumes occultes, les gens sont entravés par la vie sexuelle, tout comme les criminels sont gardés dans les prisons derrière les barreaux. Une vie adonnée au sexe est similaire à une vie derrière le barreau. Le sexe illicite est un symbole de l'ignorance par lequel on peut être maintenu constamment dans la prison des manipulations de sorcellerie. Bien sûr, il y a toujours un sentiment de jouissance pendant l'acte sexuel, ce qui fait que les gens courent après les rapports sexuels, mais ce soi-disant sentiment de jouissance est l'un des plus grands outils utilisés pour dominer une personne et perfectionner les manipulations démoniaques. Évidemment, les gens de ce monde sont grandement avancés dans l'illusion du plaisir sexuel, ils sont très profondément dans le soi-disant plaisir sexuel, mais il y a eu un plan occulte dans le monde invisible des esprits démoniaques conçu pour manipuler les gens et permettre aux hommes et aux femmes, les garçons et les filles de se livrer à des actes sexuels partout et à tout moment, comme les animaux tels que le chien et le chat. Il y a un agenda dans le monde occulte. Mais laisse-moi vous de dire que tout effort entrepris pour faire progresser la vie sexuelle est un progrès vers l'inclinaison et tendance animale. C'est un progrès qui ne transcende pas la vie sexuelle évidente chez les animaux. Il est écrit dans 1 Corinthiens 6 verset 18 « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu ?» et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Chers chrétiens, la manipulation sexuelle est l'une des plus grandes stratégies du monde occulte contre l'humanité. Il y a des millions de sirènes du monde des eaux, et des espites sous-marins qui travaillent avec les sorciers pour emprisonner l'humanité dans les pratiques sexuelles qu'on retrouve chez les animaux. En fait, au mois de juillet en 1996, environ 30 millions de sirènes et esprits du royaume Moku sous-marins ont été envoyés à la surface de la Terre sous forme de jolies femmes, avec comme objectif de se prostituer et séduire les nations de la Terre. Ces femmes étaient des démons en déguisement, envoyés pour renforcer ceux qui étaient déjà envoyés avant eux. Leur mission était supposée durer jusqu'à 1997. Il faut donc comprendre qu'il y a trois types de prostituées sur la Terre.
La première catégorie sont des démons ou de sirènes du royaume occulte des eaux. La seconde catégorie sont des agents humains du royaume sous-marin qui sont possédés par des démons. Ils portent souvent des talismans, des chaînettes, bracelets, ou des habits d'une couleur précise comme symbole de leurs initiations et leur alliance avec les démons. La troisième catégorie ne sont que des êtres humains ordinaires possédés et manipulés par des démons. Certains sont manipulés et envoûtés par des satanistes par l'entremise de la pauvreté, vouloir avoir de l'argent rapide, désir insatiable, cupidite, chômage. Tout ceci pour amener l'humanité dans le point zéro et la manipulation. Il est écrit dans Proverbe 6, 25 « Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse et de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée on se réduit à un morceau de pain, et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. » Notez que la Sainte Écriture dit que la prostituée tend la pige à la vie précieuse, qui est le sperme. En fait, le sperme est le symbole de l'énergie vivante la plus élevée. Cette énergie pure est si importante dans la vie qu'elle ne doit jamais être gaspillée à tout moment. Il a été fait uniquement pour être utilisé par Dieu comme une bénédiction. C'était en mars 1976, Gopinatha m'a enfin paru. Il m'a commandé d'être pleinement préparé à une grande guerre spirituelle contre les chrétiens partout dans le monde. Ah! Avant de parler de la guerre spirituelle, faut nous dire, après des sexes là, c'est comment? C'est comment, mon frère? Mes frères et soeurs, vous êtes foutus, nous sommes foutus! À faire des sexes matin, midi, soir, aïe, 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 aïe! Le plaisir sexuel, ou la partie même, où ça commence à venir, où oh, l'homme veut faire les choses là. Il veut verser là. On lui dit que c'est cette partie là même qui fait l'objet de leur travail. Ils savent que les gens aiment jouir là. Ils aiment jouir. Donc il faut vraiment, on vous a prévenu, mes frères, c'est que il y a des mots gosses, un peu dur, hein. Donc vous êtes déjà prévenu. Donc ne dites pas que vous n'êtes pas prévenu, c'est pas moi. Mes frères, c'est vrai, c'est ça. On doit appeler les choses par leur nom. Ou mais c'est pas comme ça s'appelle. Mes frères, si vous aimez le sexe, tellement vous aimez le sexe. Premièrement, vous êtes en train de vieillir. Quelqu'un qui passe son temps à coucher avec les filles ne dure pas trop sur la terre. Est-ce que vous savez ça? Tu vieillis vite. Depuis que tu deviens riche, là, tu passes ton temps à aligner les filles de la maison. Tu penses que ça te fait du bien. Tu es en danger, mon frère. Tu es en danger. Tu vas vieillir. Tes terres vont être durs comme ça, devenir durs comme cailloux, comme coup de poing. Tu ne pourras plus bouger. C'est dangereux. En plus de ça, il y a trop de maladies. Et quand les démons décident de travailler, les Satan, le diable et les démons décident de travailler dans cette dimension pour amener les gens à être accro au sexe, là même c'est grave. On parle de manipulation occulte. Ça veut dire que le sexe devient ici quoi? Une âme satanique. Une âme que Satan va utiliser contre toi. Tu es dans l'impudicité, tu cherches les femmes. Disons, libère-toi, évite les histoires. Laisse affaire va te laisser. Aujourd'hui, tu es au courant. Si tu n'es pas au courant, tu n'es pas au courant. Hey! Que Dieu me pardonne. Parce que moi aussi, j'étais dans ces choses. Hey! Vraiment, Seigneur, pardonne-nous. Et restons-nous. Restons tous les abonnés aussi. Et aide-les à en sortir. Quoi? Ok. Vous le savez déjà. Si vous êtes étonné comme moi. Et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore cliqué sur j'aime et que vous êtes touché, cliquez sur j'aime. Mes frères et sœurs, réagissez d'assister à la partie commentaire et dites-nous. Qu'en pensez-vous? Alors là, ça va être chaud. Là, il était de nous annoncer une guerre. Que va-t-il se passer dans cette guerre? Écoutons-le bien. C'est parti. Quand je lui ai interrogé sur le pouvoir derrière la prière des chrétiens, il m'a répondu que pour l'instant, je devrais oublier cela. Il a seulement souligné que la bataille contre les chrétiens est notre préoccupation. Gopinatha m'a cependant promis que pendant ma troisième initiation, je serai amené à tout savoir, y compris les secrets des chrétiens et ce qu'ils représentaient. Néanmoins, il faut souligner que la fumée épaisse résultant de la prière des saints nous avait perturbés en différentes occasions et en plusieurs reprises. La prière de chrétiens causait une grande confusion dans les domaines des puissances des ténèbres. Conférence astrale dans la planète Vénus. Ma troisième initiation cosmique dans les mystères des royaumes occultes a eu lieu en avril 1979. C'est alors que j'ai reçu le sceau du Shiva 999. Il y avait des esprits supérieurs et inférieurs pour cette initiation dans le troisième degré de l'opération du crépuscule.
Il y avait 60 000 catégories des forces cosmiques ups. Dans ce degré ésotérique, je ne connaissais personne qui me dépassait dans l'occultisme. Wow. Jusqu'à ce que j'ai été choisi pour fonctionner finalement dans la plus haute conscience du pouvoir mystique. C'est lors d'une conférence astrale dans la planète Vénus que j'ai subi cette initiation. La conférence a eu lieu dans la grande ville spirituelle de Roth, dans la planète Vénus, et cette réunion astrale a attiré plus de 300 000 esprits et agents humains de différents domaines. C'était la première fois que j'assiste à une conférence de cette envergure. Mon guide spirituel était présent dans cette conférence. Il m'a brièvement informé que ma question sur le pouvoir des disciples de Jésus-Christ serait abordée dans cette conférence par le souverain du royaume astral de Roth, appelé Elam. Comme nous étions tous réunis dans la salle de mystère, 70 esprits puissants du royaume astral ont simultanément commencé à sonner des trompettes pour signaler l'arrivée du roi démoniaque Elam, le démon supérieur souverain de la planète Vénus. Quand Elam est apparu, il inaugura la conférence par un discours qui était essentiellement centré sur le mystère de Jésus et sa religion. Il a également parlé de ce qu'il appelait l'entité Jéhovah. Tout ce que le démon supérieur Elam a dit à propos de Jésus-Christ, les chrétiens et Jéhovah Dieu, et ci-dessous. Voici le résumé de son discours blasphématoire dans la réunion astrale. Dans son adresse, Elam nous a informé que le nom secret de Jésus était Jésus à Jonichim. Il a cité un verset de la Bible qui dit, et il avait un nom écrit que personne ne connaissait, mais lui-même. Apocalypse 19 verset 12, il a déclaré que Ajonishim était le nom secret de la seconde personnalité de Jésus dans sa deuxième initiation cosmique de l'opération du crépuscule, et que le guide spirituel de Jésus était alors connu comme Maître Zadok. Elam nous a informé que Jésus souffre énormément aujourd'hui à Kosa, une prison astrale située dans la ville de Roth. Il a dit que c'était à cause des infractions commises par Jésus lorsqu'il était physiquement sur Terre. Par exemple, Elam a déclaré que Jésus était une mystique du deuxième saut cosmique de l'opération du crépuscule, qui a finalement rompu le vœu du silence et a commencé à opérer des miracles ouvertement sans l'approbation de la hiérarchie des forces cosmiques. Elam a proclamé qu'en raison de ses grandes et autres infractions mineures, Zadok était habilité à neutraliser les pouvoirs mystiques de Jésus, raison pour laquelle Jésus a déploré et a crié « Mon maître Zadok et les esprits d'Eloi, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Il a dit que c'était la vraie déclaration de Jésus, et que la Bible n'a pas donné un rapport précis en disant que Jésus a dit « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Elam dit que Jésus restera dans la prison de Kosa pour les 300 prochaines années. Il a également déclaré que Jésus a été jugé dans le royaume astral et jeté dans la prison de Kosa en l'an 70. En outre, il a sérieusement prévenu que le même châtiment infligé contre Jésus est le même châtiment que tous ceux qui ont brisé le serment du silence doivent subir. Ceci est le discours blasphématoire du démon Elam contre le Seigneur et le Sauveur de l'univers Jésus-Christ. Il est écrit, il lui fut donné une bouche qui parlait de grandes choses et de blasphème, et il ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitaient les cieux. Apocalypse 13, verset 5, Elam a continué son discours blasphématoire. Il a souligné que les disciples de Jésus-Christ sont des criminels psychiques, des rebelles et des hommes recherchés, selon lui. C'est parce que les chrétiens essayent jour et nuit d'utiliser la force de la prière pour libérer Jésus de sa situation. Il a déclaré que c'est une grande infraction conformément aux lois du royaume astral. Il a donc ordonné et instruit chacun de nous à opérer et fonctionner comme la police astrale afin d'appréhender de tels criminels chrétiens, et de les traîner dans le tribunal astral à la présence de Naga, le seigneur de la mort et du châtiment. Elam a déclaré que l'arrestation des chrétiens n'aurait pas été ordonnée s'ils avaient cessé de prier. Et s'il avait accepté que Jésus puisse être libéré de la prison au moment fixé par le tribunal astral. Il a également déclaré que la proclamation des chrétiens selon laquelle Jésus-Christ est mort pour les péchés du monde est une offense et infraction. D'après lui, Jésus est mort pour ses propres péchés. Dans cette conférence astrale, Elam a expliqué pourquoi la prière des croyants est comme une fumée épaisse. Il a dit que c'était parce que de telles prières ne pouvaient pas accomplir leur but qui est de libérer Jésus de sa prison astrale. Par conséquent, ceci se transforme en fumée et commence à gêner et perturber les opérations spirituelles officiellement approuvées. En fait, le discours du démon supérieur et l'âme dans cette conférence était la base logique et philosophique par laquelle je me suis beaucoup battu contre les chrétiens au courant des années, pensant que je faisais un bon travail pour Dieu et pour l'humanité. Enfin, le démon Elam ordonna que nous soyons amenés à la présence de Jésus à Jonichim dans la prison astrale, pour faire l'expérience de tout ce qu'il venait de nous dire. J'étais l'un des rares agents humains qui ont été choisis à visiter le faux Jésus dans sa prison astrale. Gopinatha m'amena avec 4 autres personnes, tandis que d'autres guides spirituels ont amené leurs disciples respectifs.
Nous avons tous voyagé dans un certain domaine du royaume astral, dans la prison de Kosa pour rencontrer un démon au nom Jésus à Jonishim, qui prétendait être Jésus-Christ de Nazareth. Je ne savais pas qu'il était un démon. Je pensais qu'il était le vrai Christ, parce que c'était ce que j'étais censé croire par les forces de l'obscurité. Ce Jésus à Jonishim nous a également parlé brièvement et a dit « Je suis Jésus que les chrétiens proclament être leur maître sur la terre, et je suis à Jonishim qu'ils ne connaissaient pas. Je suis dans cette prison de Kosa pour expier mes offenses pendant que j'étais sur votre planète. En vérité, je vous le dis, quiconque suit mon chemin de méfait, il viendra à moi dans cette prison. » Il a continué. Les soi-disant chrétiens se sont égarés de plusieurs façons. Ils disent que je suis mort et ressuscité de la tombe, mais c'est un mensonge. Je vous dis la vérité. Alors que j'étais sur terre, je me suis marié. J'ai eu 4 enfants. J'ai vécu pendant 96 ans. Et j'étais mort en Perse. Les chrétiens ne le savent pas. Mais ils essaient d'utiliser la prière pour me libérer de ce prison. Et par là, ils ajoutent à mes souffrances dans leur ignorance. Par conséquent, allez les combattre. Allez et arrêtez-les. Empêchez-les de prier. J'ai cru à tout ce que le démon et l'âme ainsi que le faux Jésus disaient. Est-ce que vous croyez à ça, mes frères et sœurs? En tout cas, ça va susciter beaucoup de réactions. C'est quoi ça? Vous voyez comment le diable endoctrine les gens? Ça, c'est vraiment le trompeur. Que va-t-il se passer après? Écoutons le pouvoir, ce qui va se passer ou encore ce que lui-même va faire. Et ils ont constitué la base de ma philosophie ésotérique. Je pensais que je connaissais tous ces secrets, du moment même où j'ai entendu et vu tout cela. J'ai sincèrement cru que j'ai découvert les secrets ultimes de Jésus et de la religion chrétienne. J'ai commencé une bataille profonde contre les saints dans la compréhension que je faisais un bon travail. Le plan démoniaque pour la nouvelle millénaire. Il existe des plans spécifiques et majeurs conçus dans les royaumes les plus élevés du monde de Satan pour favoriser de plus grandes manipulations de la planète Terre avant et après l'année 2000. Ces plans comprennent 1. Faire couler les continents d'Amérique et d'Europe sous les eaux et provoquer l'émergence de 2 continents puissants du monde sous-marin, ayant des êtres étranges qui sont des démons, qui sont jusqu'alors inconnus par les habitants de la Terre. Les yeux de ces êtres seront au centre de leur tête et ils vont enfin vivre avec les hommes. 2. Faire du Nigeria le siège occulte de la Terre. Par conséquent, les plus hautes puissances ésotériques de la Terre sont transférées de l'Inde aux États-Unis et des États-Unis au Nigeria. Cela a eu lieu en juillet 1976 lorsque 2 planètes dans le système solaire Mars et Jupiter se sont alignées avec la Lune dans la 7e constellation astrologique du zodiaque. 4. Pour provoquer une série de catastrophes destructrices sur la Terre, cela entraînera la mort de plusieurs millions de personnes dans le monde entier. 5. Pour provoquer une panne dans le système solaire, y compris sur la rotation de la Terre, par l'alignement du Soleil et des planètes, ceci conduira à des taches solaires et des vagues de chaleur. Et donc un déséquilibre mental chez des millions de personnes. 6. Soumettre ce monde à un état de tension sans précédent. Dans la mesure où plusieurs croûtes de la Terre céderont à des degrés divers dans tous les continents, pour provoquer des catastrophes déchirantes dans différentes parties du monde. À travers des mégawatts océaniques, des invasions météoriques, les tremblements de terre et les éruptions volcaniques. Incident de manipulation au Nigeria. Il y a eu un incident de manipulation à Legault. Un homme était marié à une femme. Et ils ont eu des enfants, après des années dans le mariage. Un matin comme ça, le mari se réveilla et demanda à sa femme, « Qui êtes-vous ?» C'est comme s'ils ne se sont jamais rencontrés, et que c'était sa première fois de voir sa femme. Il demanda à la femme, « Qui êtes-vous et que faites-vous ici ?» La femme était étonnée. Elle pensait que son mari plaisantait, mais malheureusement pour elle, son mari était sérieux. Il finit par mettre dehors sa femme et ses enfants car il ne le reconnaissait pas. Avant cela, les voisins sont venus pour tenter de résoudre le problème, mais ils étaient étonnés de voir cet homme leur dire qu'il ne connaît pas sa femme. Les voisins pensaient que le monsieur était devenu fou, mais il leur a dit qu'il se rappelle avoir rencontré sa femme une fois, et dans cette occasion-là elle était prostituée et c'était juste une nuit, et ils ne se sont plus rencontrés. Puis la femme se mit à pleurer et confessa qu'elle avait manipulé son mari au mariage. Elle a confessé qu'elle a manipulé son mari par envoûtement concentré. Elle confessa avoir gardé l'esprit de son mari dans un sacoche mystique, et ceci lui permit de dominer et hypnotiser son mari pendant tous ces années. Pendant que l'esprit de cet homme était dans le sacoche, il était envoûté, sa conscience était contrôlée. Il n'avait ni le courage ou la force ou la capacité de résister à la force qui avait aveuglé son intelligence. Quand l'homme a retrouvé ses sens, il ne pouvait pas accepter qu'elle s'était mariée à cette femme prostituée. Et c'était la fin de cet mariage. Ce qui a rendu possible cette manipulation est le point zéro ou le péché sexuel. Si cette femme pouvait renouveler son envoûtement,
Cet homme aurait vécu toute sa vie sous la manipulation, mais par la grâce de Dieu, elle avait oublié de renouveler son envoûtement sur son mari. Comme conséquence, son mari retrouva ses sens. Je me rappelle dans le passé, je faisais des charmes pour les femmes, afin qu'elles contrôlent et dominent les hommes. Elles n'avaient qu'à les remuer sur leur sexe pour séduire les hommes, et une fois l'une de ces femmes couche avec un homme, les pensées de cet homme-là sera dominée par l'image de cette femme. L'homme ne pourra plus résister à la femme. Grâce à l'envie qui est une porte d'entrée, l'homme se fait manipuler. Mais cette charme est renouvelable et maintenue active par la nourriture préparée par la femme et le rapport sexuel avec la femme. Aussi longtemps que l'homme mange sa nourriture et a des rapports sexuels avec elle, il est sous la manipulation. Manipulation dans le rêve. Il existe différentes catégories d'entités démoniaques ou psychiques utilisées dans les opérations occultes pour manipuler les gens dans l'état des rêves. Les démons élémentaires font partie de ces entités. Il y a un art occulte que j'ai utilisé pour projeter des démons élémentaires contre des personnes qui étaient sous mes manipulations. Ces entités élémentaires se dissimulent et fonctionnent en masquerade. Par conséquent, beaucoup de rêves sont manipulés pour amener la vie d'une personne dans la frustration et l'échec. Cela va se manifester dans ses affaires, dans son mariage et son finance. Dans ses rêves, la personne sera poursuivie par des beautés des créatures qu'il ne peut pas identifier à cause de la mascarade. En effet, tout rêve de mascarade a trait aux opérations des démons élémentaires. En plus de la manipulation des rêves par des opérations occultes, je combinais les forces des sorcelleries avec celles de l'incubus et de succubus pour boire le sang des gens dans le rêve. Cela se fait par l'éjaculation du sperme résultant du rêve sexuel. Plusieurs entités des royaumes occultes se nourrissent de sang humain. À cet égard, chaque fois que vous êtes séduite pour avoir des rapports sexuels dans le rêve, vous allez donc libérer votre sperme. Cela signifie que les forces de l'obscurité se sont nourries de votre sang. Avoir des rapports sexuels dans le rêve avec des démons résulte de la contamination psychique et de l'influence malveillante. Cette expérience entraînera une faiblesse sur votre vie, ainsi que la malchance dans divers aspects de votre vie. Maintenant, permettez-moi de souligner que la partie privée ou le sexe de l'homme ou de la femme qui viennent dans vos rêves pourra avoir des relations sexuelles avec vous, y compris les parties privées des trois catégories de prostituées que j'avais citées, sont des instruments spirituels utilisés pour aspirer du sang à travers des manipulations très élevées de démons et les agents humains du monde de ténèbres. En fait, dans le monde des esprits, les parties privées ou les sexes des agents du monde de ténèbres comme celles des sirènes sont préparées à être comme la tête d'un vautour, la tête d'un serpent, la tête d'une vache ou d'une tortue. Et c'est par ces têtes que le sang humain est finalement extrait des personnes ayant des rêves sexuels, même dans la vie courante. Bien sûr, un démon ou un agent humain des forces de ténèbres peut être sous la forme d'une autre personne pour avoir leur relation sexuelle avec vous dans le rêve. Mais dans certaines occasions, la personne qui vient dans le rêve à cet égard est l'agent même des démons directement impliqués. Ma troisième initiation cosmique. Après ma seconde initiation, Gopinatha m'amena à la présence de Sanya, qui est le seigneur du royaume astral, pour recevoir l'initiation dans le troisième saut cosmique de l'opération du crépuscule. Lorsque nous avons rencontré Sanya, Gopinatha l'a salué et a déclaré « Monseigneur, j'ai amené ce disciple devant vous pour vos bénédictions ». Sanya répondit à Gopinatha « Tu m'appelles le Seigneur, mais tu parles dans l'énigme, car il n'y a pas de secret dans mon royaume qui te soit caché. Par conséquent, je dis « Bienvenue ». Enfin, Sanya m'a finalement béni comme le signe de ma troisième initiation cosmique de l'opération crépuscule avec le sceau de 999 de Shiva. Après ma pleine initiation, ma deuxième personnalité qui était le démon Arapion m'a quitté, et un autre démon appelé Aradia entra dans mon corps et occupa la partie gauche de mon corps. Par conséquent, mon nom secret est devenu Aradia. Cet démon appelé Aradia est porteur du sceau de Shiva, qui est 999. Comme résultat, je suis devenu maître des esprits de sorcellerie et d'autres esprits de l'eau, du feu, de l'air et de la terre. Son nom Aradia est également utilisé pour des opérations occultes secrètes dans l'église de Wicca des États-Unis. Après mon initiation, Gopinatha apporta une forme que j'ai remplie selon laquelle je devais garder secret cette initiation. Voici les termes et conditions de cette initiation et alliance. 1. Je veux cesser de vivre sur la terre à l'âge de 43 ans ou à l'année 2007. Je veux donc quitter la surface de la Terre et pénétrer sous l'océan Atlantique dans le royaume sous-marin là où je veux passer le reste de ma vie. 2. Je me marierai physiquement à l'âge de 30 ans, bien que j'avais déjà une femme sirène des eaux. 3. J'aurai 4 enfants sur la Terre, mais la vie de mon premier-né ne durera que 3 mois. Il mourra et sa mort me permettra d'être riche financièrement. Après avoir signé cette alliance, je fus couronné mystiquement avec la couronne du Seigneur Sanya. Cela m'a conféré immédiatement des pouvoirs occultes spéciaux. Par exemple,
J'ai été conféré le pouvoir mystique appelé mémoire astrale et puissance du cerveau. C'est le pouvoir occulte par lequel on peut lire, apprendre et comprendre les choses dans une grande dimension. Par conséquent, je pouvais à partir de ce moment lire un livre de plus de 500 pages et comprendre tout en moins de 6 heures. À partir de ce moment, je pouvais influencer complètement et contrôler les autres. Je pouvais voir physiquement sans mes yeux optiques. Je pouvais disparaître dans l'air si cela est nécessaire. Je pouvais lire des lettres scellées. Je pouvais me projeter occasionnellement et vivre brièvement à l'intérieur d'un autre être humain, d'un animal ou d'un arbre. Je pouvais entendre et communiquer immédiatement avec un esprit ou des démons, peu importe la distance qu'ils peuvent être. Je pouvais plier un fer ou un acier avec mes yeux. Je pouvais rendre les armes ou les couteaux inefficaces lorsqu'ils sont utilisés sur moi. Je pouvais surmonter les accidents et voyager librement dans l'air, la terre et la mer. Je pouvais utiliser ma deuxième personnalité pour apparaître simultanément dans 9 endroits différents en même temps. Je pouvais opérer ou commander la pluie, les éclairs et le tonnerre. Et je pouvais me projeter dans les royaumes astral supérieurs sans l'aide d'un guide spirituel. À la fin de ma troisième initiation cosmique, j'ai voyagé dans le musée astral pour voir toutes les inventions majeures du passé, du présent et du futur. J'ai vu de nombreuses choses étranges qui doivent encore être inventées sur Terre. Puis je suis retourné sur la Terre. Mais quand je suis entré, j'ai remarqué qu'il y avait un anneau dans l'un de mes doigts gauches de mon corps physique, ce que je n'avais jamais vu auparavant. Cet anneau porte le sceau de l'ancien ordre du Seigneur Yima. Il a été mis sur mon doigt pendant que je subissais ma troisième initiation cosmique dans le royaume astral. Je protégeais mon corps physique de ce moment pendant mes projections astrales. De plus, je pourrais fermer mon œil droit et utiliser mon œil gauche dans le trou de l'anneau pour voir tout ce que je souhaiterais voir quand je ne suis pas en projection astrale. Mariage avec un démon. J'étais marié à une entité ou esprit des eaux féminines, qui était un démon du royaume occulte de l'eau, qui me rendait visite physiquement sur la terre de temps en temps. Cet mariage est une processus de servitude démoniaque et d'asservissement. Les personnes qui sont mariées à des sirènes ne peuvent pas se marier physiquement sur terre. Mais dans mon cas, ce n'était pas le cas. Cependant, des femmes ou des filles venaient toujours chez moi, mais elles ne savaient jamais que j'étais mariée à un démon. Certaines de ces dames ne savaient pas non plus que c'était contre ma loi mystique de se livrer à un acte sexuel avec des femmes de la terre. Sauf dans mon soi-disant période libre, qui était de 21 jours tous les 365 jours de l'année. Même dans une période aussi libre, je participe rarement à la vie sexuelle avec les femmes. À cette fin, j'ai enseigné la plupart des mauvaises leçons de mes copines, alors que j'ai tué certaines d'entre elles. Par exemple, il y avait une certaine dame hautement avancée dans l'art de la sorcellerie noire, qui avait à la fois des parties privées masculines et féminines dans le monde de la sorcellerie. Cette dame est venue et a vécu avec moi pendant 9 mois, mais pendant cette période, je n'ai pas eu de rapport sexuel avec elle. Son plan était de me marier avec elle, alors que ma femme spirituelle la sirène ne l'aimait pas. Cette dame a été initiée à la magie noire par sa mère à l'âge de 2 mois. Par conséquent, cette dame et mon épouse la sirène se sont battus à plusieurs reprises dans le monde des démons. En raison de cela, je n'étais pas content de cette fille. Alors j'ai projeté des manipulations ésotériques plus élevées contre elle. J'ai projeté 10 esprits astrales contre la dame. Et dans 5 jours, ils l'ont manipulée. Elles l'ont poussée à se battre avec son frère aîné. Au cours de ce combat, son frère a eu son oreille droite coupée mystérieusement. Manipulation par la colère. La colère est une inclinaison ou tendance de la cinquième faculté anormale de l'esprit. Utilisée dans les manipulations démoniaques contre l'humanité, il existe différentes entités psychiques et démons utilisés dans les opérations occultes pour posséder et dominer une personne à tendance colorique. Les démons élémentaires sont également parmi ces entités psychiques. Ils peuvent posséder et dominer la vie d'une personne qui est vaincue par la colère et le rendre esclave. Quand un homme est colérique, il attire directement les esprits maléfiques pour venir lui posséder. Ainsi, il est écrit, « Ne sois point le compagnon de l'homme colère, et ne va point avec l'homme furieux, de peur que tu n'apprennes ses voies, et qu'elle ne soit un piège pour ton âme. » Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Quand on est dominé par des démons, même au-delà de sa reconnaissance objective, certaines maladies peuvent être transmises en vous. En outre, la force de la colère est utilisée pour pousser l'humanité à se battre, ce qui est une tendance ou inclinaison animale. Maintenant, c'est un autre domaine majeur de l'avancement de l'homme sur Terre, par le combat ou la guerre chez les hommes. Le sang est gaspillé dans la satisfaction ultime des pouvoirs de l'obscurité. Lorsque nous parlons de la puissance militaire des nations sur Terre, ainsi que du développement des armements à destruction massive, nous parlons de l'avancement de l'attirail de combat.
Mais ce prétendu progrès est une manipulation conçue pour soumettre l'homme au niveau de vie animale, car les animaux se battent comme ça. Quand les animaux se battent comme ça, surtout moi, j'ai loin de terminer, mes frères. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant, ne manquez pas la prochaine vidéo. Et dites-nous ce que vous en pensez. Après avoir laissé moi, j'aime si ce n'est pas quoi faire. Quoi? Le sexe est utilisé comme une arme contre nous. Le savez-vous? Si vous en demain, vous voyez des gens dans vos rêves. Chassez-les loin de vous, éloignez, combattez ces démons au nom de Jésus-Christ. Appelez Jésus, dites seulement Jésus-Christ, au secours!